Pouvez-vous me dire ce que sont les barbouches, les pkaïlas, ou encore, je vais vous donner d'autres noms si vous voulez bien, si je les retrouve, mais j'en ai d'autres. Pouvez-vous... Les barbouches, c'est des tueurs au Portugal. Ah non. Les barbouches, les pkaïlas, les masfoufs, les sekouks ou les badazes. Les manchoufs. Non. C'est une sorte de race des gauchos. Non, mais... pas du tout. Les Belboula, les Koumassi... C'est des noms de famille. C'est des Ouïghours. Non, on dirait des équipes de Koh-Lanta. Le Masfouf, le Barbouche, le Pkaïla... Est-ce que c'est des plats? Ah oui, alors... Seikouk, le Badaz, le Belboula, le Koumassi ou le Thiéré aussi, si vous êtes au Sénégal. C'est des plats à base de... C'est des plats nationaux. Alors, des plats nationaux, non, tout ça, c'est le même plat. C'est des plats de Noël. C'est la paella. La paella, non. Le couscous. C'est le couscous. Évidemment. Pourquoi je vous parle du couscous, vous le savez. Parce que ça rentre au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pourquoi immatériel si c'est matériel le couscous? C'est vrai, vous avez raison, c'est matériel. Mais enfin, c'est vite immatériel une fois qu'on l'a mangé, voyez-vous. Par exemple, je vous donne un exemple. Prenez l'acropole, vous ne pouvez pas la bouffer. Non. Tandis que le couscous, oui. Mais oui, c'est ça, c'est un patrimoine matériel. Immatériel, parce qu'il disparaît. Revient dès que vous le faites, le couscous. Vous le faites, le couscous argentin, peut-être, Marcela Yacoub. Le couscous argentin, ça doit être beau à voir. On dirait une position sexuelle. Je vais te faire le couscous argentin, moi, ce soir, ça va. Et demain, tu vas voir comme tu vas te régaler. Et demain, la paella islandaise. Mais de quoi est semoule? On a le pédale dans la semoule, beaucoup, par contre. Ah putain, l'assado n'est pas patrimoine immatériel de l'humanité. Quoi donc? L'assado. C'est quoi l'assado? Le barbecue, c'est universel. Le couscous, c'est quelque chose que tout le monde aime, voilà, c'est vrai. J'aime pas, mais excusez-moi. Non, mais la beauté, c'est même quand c'est Florence Foresti qui le fait. Ariel Dombal en fait un très bon. Ah oui. C'est délicieux le couscous. Enfin, oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le couscous? Je trouve ça gras et pas du tout raffiné. C'est tout le contraire de toi. Ça t'étombe. Moi, ça me tombe des coins de la bouche, tu vois, quand je les mange. Ah, c'est pas du couscous alors. C'est des sauces rouges, tu vois. La sauce rouge t'étombe par la bouche. Oui, mais ça. Ouais. Ça, c'est parce qu'il faut que tu changes de traitement, non? Ouais. Avant cette super année qu'on a passée, je propose que l'UNESCO décide que Marcela Yacoub soit patrimoine culturel de l'humanité. Matériel. Matériel, c'est sûr.